Alors, le jour de Yahrzeit, l'Iloula de Rabbi Tzinchana, la mère de Rabbi, juste raconter quelque chose que Rabbi a raconté plusieurs fois. Aujourd'hui, j'ai eu une petite partie d'un Fabrengen, la Fabrengen de Vortiche, que Rabbi a raconté à nouveau. Je ne vais pas dire cette histoire, cette anecdote, mais cette. Monsieur Resnap, je vais dire de sa mère, de sa maman, de Rabbi Tzinchana, avec un erreur. Avec un erreur, le Rabbi a dit qu'on peut tirer de sa anhogue, de son anhogue et de sa comportement. On sait que lorsque Rabbi Leivik, son mari, le père de Rabbi, était mis en prison et puis exilé, alors, elle a choisi, bien sûr, de l'accompagner dans ce moment difficile. Elle a essayé de faire tout faire pour alléger sa souffrance, sa peine. Le Rabbi a raconté comment elle a apporté avec elle le sforme qu'elle pouvait apporter. Tanya Zeyer, elle savait combien c'est important pour lui d'écrire ce Chidush Teira. Argue entre parenthèses, parlant de Chedushetel et de Rabbi Leivik, on sait qu'il a écrit énormément, énormément, mais que malheureusement tout était saisi au moment qu'on a arrêté, jusqu'à aujourd'hui on n'arrive pas à le localiser, à le retrouver. Mais ce qu'on a essentiellement, c'est justement ce que Rabbi Leivik écrit dans ces années difficiles. Elle savait combien c'est important pour lui d'écrire ce Chidush Teira. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fabriqué de l'encre. Le Rabbi dit, c'est pour ça que, puisque c'était fabriqué de manière artisanale, et ça change un peu de couleur, ça n'a pas toujours la même couleur. Le Rabbi dit, des fois c'est noir, des fois c'est vert, ok, ça change. Aujourd'hui, on peut voir le même original. On monte au côté de 77, mais de la bibliothèque, Kitzer. Et Leivik, il écrit sur le Gilyon, c'est-à-dire autour de Sanzer, de Tanya, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'espace, donc il écrit vraiment de Kitzer, commencer. Et pendant des années et des années, Rebbe, pour honorer son père, justement, dans le Fabrengens, il s'arrêtait presque chaque Shabbat sur un Ha'or, sur le Zer de son père. On peut dire que c'était exactement il y a 60 ans, Vortishrei, c'est là où le Rebbe a commencé à expliquer chaque Shabbat est un Rashi sur la terre. Quand le Rebbe raconte comment, grâce à cette Messilas Nefesh qui était pour l'alléger, pour le laisser permettre d'écrire le Chidush Teira. Donc c'est grâce à cette Messilas Nefesh qu'aujourd'hui on peut étudier c'est Chidush Teira de Rabbi Yitzchak. Le Rabbi tire un erreur, que même si c'était quelque chose qui était Neged HaTava, le Rabbi dit, là c'est bien d'être avec lui, de fabriquer l'encre, et plus tard de préserver sa forme, juste que sa forme pouvait quitter la Russie de manière avec le Nissim. Alors, le héros, dit le Rabbi, c'est même si on voit quelque chose qui n'est pas possible al pitava, mais lorsqu'un juif il sait qu'il est en train d'accomplir la volonté d'Hachem, lorsqu'il va se tenir ferme, et même si ça peut durer, dit le Rabbi, de longues années, mais sauf, il va y arriver. Ça, c'est quelque chose, bien sûr, que le Rabbi a raconté, pas seulement dans le Pablé, le Rabbi Pashto, même aux enfants. Lorsqu'ils se sont réunis souvent en mois de Tishrei, dans le rallye, le Rabbi a raconté souvent cette lignane de sa mère, de M. Lesnafesh, de sa mère, et je trouve tout ce qu'elle pouvait faire pour son mari Pablo Levitsky. Pour nous, bien sûr, peut-être le plus grand sous qu'elle avait, c'est grâce à elle, avant le Rabbi, qu'elle a élevé le Rabbi. Et donc, même après tellement de souffrances,
On sait que le passé, mais comme pour Yankev Avinu, c'était les 17 dernières années qu'il a vécu auprès de Yosef en Mitzrayim dans l'Arves Haaretz, mais c'était les meilleures années qu'il a vécu. On sait que le Rabbi Tzimchan aussi, c'était à peu près 17 ans qu'elle a vécu auprès de Rabbi. Une fois qu'elle a arrivé aux États-Unis, elle a mérité de voir le Rabbi comme en tant que Rabbi. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et on sait combien hein, le Rabbi avait des kibbout aim envers elle. Combien le Rabbi l'a. Par le fait que vu qu'elle est sortie bien sûr de Russie, le Rabbi est venu ici en France, que ce n'était pas une petite affaire à l'époque. Le Rabbi est resté 3 mois ici juste pour pouvoir régulariser tout le papier, tous pour qu'il puisse le ramener avec elle vers les États-Unis. Une fois sur place, on sait combien le Rabbi s'en occupait, bien sûr qu'elle aura tout ce dont elle a besoin. Le Rabbi est allé le voir tous les jours. Comme on a toujours fait le maximum pour qu'on n'aura pas Chas v'Shalom de Agnes Nefesh, même lorsqu'elle a perdu un fils, d'Israël Arilev, on sait que le Rabbi a tout fait pour qu'elle ne sache pas, elle n'a jamais su, a priori, elle n'a jamais su, jusqu'au jour de son décès, de son Israël, qu'elle n'a pas su qu'elle a perdu son fils. Le Rabbi a fait que les gens ont crié à sa place avec son écriture, et de manière qu'il écrivait, et tout comme s'il avait. Tout pour éviter le moindre de. Il y avait un juif, Virchow, Friedrich, certains ici se rappellent, lui, il raconte qu'une fois, il était chez le Rabbitson, et c'est juste au moment que le Rabbi Metamol est venu, il voulait partir, le Rabbitson a dit non, tu restes là. Il était obligé, il est resté. Au côté, Rabbi venait tous les jours, faisait un thé pour sa mère, on sait. Et avant, après quelques minutes, Rabbi s'apprêtait pour partir. Ça, il raconte. Rabbi a fait quelque chose avec les rideaux, comme si quelque chose. Comme ça, il est sorti. Et dès qu'il est sorti, Rabbi Tzinkhan lui a dit, lui, en parlant de Rabbi, lui, il pense que je ne sais pas. Mais depuis l'âge de sa bar mitzvah, il ne m'a jamais donné le dos à dire. Tourner le dos, pardon. Et donc, chaque fois qu'il sort, il fait comme s'il y a quelque chose à réparer, il regarde ici, il m'a mais jamais sortir de manière où je regarde son dos. Jusqu'ici, c'était le kibbout aim. Amel Rabbi Tzinkhan. Et donc, c'était, on peut dire, quand même, le panim, on sait combien Rabbi Tzinkhan, chaque maman, évidemment, pense. Son fils, évidemment, mais c'était quelque chose pas stable, l'amour d'une maman vers son fils, le respect qu'elle avait envers le Rebbe, tout ce qu'elle a fait, que le Rebbe n'aura pas. D'Agmas Nefesh, on voit maintenant dans le Rishumis qu'elle a écrit, son Yoman, comment on a écrit, combien elle veut éviter que le Rebbe sache des choses qu'elle ne se sent pas très bien, etc. Elle a toujours essayé de tout éviter, que le Rebbe ne sait pas. Ça, c'est des choses que le Rabbi a dit à propos de Rabbi Tzinkhan. Peut-être aussi, il y a aussi aujourd'hui, une partie de Rabbi Tzinkhan, bon, de l'Chaim, peut-être avec un nigon, c'est Yandé, c'est que le Rabbi a enseigné le Simchas Torah de premières années, le Rabbi a toujours enseigné un nigon, après à Kofes, tôt le matin. Il y a un an que le Rabbi a enseigné le nigon de Rachman et de Yonne. Bon, et c'était le lendemain, le jour d'après, je ne sais pas, il y avait le Bleib Raskin, la famille Raskin, on sait qu'ils étaient proches de Rabbi Tzinkhan parce que le dernier quelques mois, il était à Almata, hein, et donc c'est la famille Raskin qui ont beaucoup aidé. Donc il rentrait chez Rabbi Tzinkhan souvent. Elle a demandé quel est le nigun que le Rabbi a enseigné. Et il a commencé à chanter. Rachman et Yonne. Elle a tout de suite dit, ça c'est un tapen, c'est un nigun, ça c'est un nigun de mon père, de mes choix. C'est un nigun qui est massif, c'est comme si on a pris le chouba.
Juste pour dire que, une petite anecdote, je ne pense pas que c'est marqué quelque part, mais mon père m'a raconté plusieurs fois que le Seder, c'était lorsque le Rabbe, il a enseigné à Digo, le lendemain, dans la Fablengins qui suivit, le Rabbe demandait qu'on chante cette Nigon. Et souvent, c'était le Meshe Kalashevski, en Rochon, qui chantait. Et donc, lorsqu'il chantait, c'est Nigra Hamon, il chantait comme un chasm. Il a dit, on n'entend pas ici l'homme pauvre. Parce que c'est de Anilani, et celui, Kadosh Baruch Hu, qui répond au homme pauvre, qui lui a Neine, qui nous. Un homme pauvre, c'est exactement où il se trouve, qu'est-ce qu'elle peut faire pour lui. Un jour, notamment, la porte s'ouvre, il y a un monsieur qui rentre, un jeune homme, et il se dirige directement vers le, il semble que c'est là-bas, la pièce principale, comme s'il connaît la maison plus ou moins, et il dit, écoutez, j'ai un message à vous transmettre, que j'ai été en prison avec Adilanander Blevik, Levi Zalmanovitch. C'est un nom russe, parce que c'était Zalmanovitch. Et donc, je voulais juste vous dire, voilà, et il raconte que le Khatrila de Blevik, lorsqu'on a pris en prison, on a mis en solitude. Solitude pendant 23 jours, hein, isolé pendant 23 jours, une souffrance énorme. Mais après, on a sorti et ils l'ont mis avec moi. Un goy, hein, qui raconte. Il dit que le jour d'Yom Kippur, il a vu que le Blevik était déjà le Khatril de la nuit. Il était en train de pleurer comme ça jusqu'au tard dans la nuit. Et comment le lendemain, hein, toute la journée, il était debout, il priait. Il ne m'a pas dit un mot pendant toutes les 24 heures d'Yom Kippur, Il dit, avant de partir, je l'ai promis que dès que je sors, je rentre chez moi, je vais juste me changer les habits de prison, dès que je peux mettre mes habits à moi. La première chose, il m'a expliqué exactement comment arriver depuis le bas, pour que je ne dois pas demander à des gens, parce que dès qu'on commence à réussir à demander, est-ce que vous connaissez l'appartement de tel et tel, ça commence à faire des recherches, Donc, il m'a expliqué comment arriver jusqu'ici, voilà. Et donc, cet Ignan, comment le gars il a décrit, comment le Blevik était tout seul en prison le jour de Yom Kippur. C'est que lorsque Zahran décide, après l'Istarokos,
C'était Shabbos Shuvah. C'était une année où Tishri, c'était un Shabbos. C'était Parshas Vayelech. Vav Tishri. C'est toute la journée. On est venu plusieurs fois dire au Rabbi, même pendant le Fabreng. Tu viens Fabreng? Que ça ne va pas très bien. Le Rabbi a quand même continué le Fabreng. Il y a un sikh connu, peut-être on va le dire plus tard justement, en Tinakoud, qui est imprimé dans Chelek Tas. Et puis après le Fabreng, après Mincha, Rabbi l'a monté chez lui dans son bureau, et comme ceux qui étaient présents racontent, il est sorti tout de suite. En sortant de son bureau, avant même d'arriver à l'extérieur, il était en train de mettre son manteau tellement, il a presque couru jusque l'appartement de sa mère, vraiment elle n'allait pas bien, on a appelé l'ambulance. Elle a décidé, maman, je commence à marquer partout, Barley Samim, vraiment la fin de la journée de Vav Tishrei. Je ne sais pas si c'était l'année d'après ou pas longtemps après, le rabbi a demandé, c'était lié avec le Yartzeit, qui était dans la salle de Semetchouba, qu'on imprime la salle de Semetchouba, qu'on imprime, pardon, le Tanya, Igeres Hatchouba. Il est sorti comme ça en fascicule. Et c'est le rabbin lui-même qui voulait payer. Il s'est marqué le nom. C'est une très sale idée. Il s'est marqué le nom de l'abbé avec le nom de sa mère. Ça, c'était la série Semichu, le baptiste, donc le keeper. Bon, c'est bien sûr le baptiste, c'est toujours dans cette période. La série Semichu, c'est pour ça, mais c'est le rabbin voulait. Non, on ne sait pas imprimer des gars de sa chouva. On sait aussi, c'est intéressant, que le Ha'aris de Rav Leibig sur le Zer, que le Rav a expliqué, qui a vraiment développé le plus ce Ha'arot sur le Tanya, et le Ha'aris sur le Zer, mais le Ha'aris sur le Tanya, gars de sa chouva. Là, le Rav a beaucoup, beaucoup. Et après, on sait que c'est sorti à deux reprises dans des séries comme ça. Il y a une série qui est imprimée derrière le Kites, un autre derrière le Grammetet. C'est même les dernières années que chaque Shabbos, depuis Chafab jusqu'au Yom Kippur, comme ça, jusqu'au Tishrei, il y a un sikh qui explique le Haaretz de Rav Leibig sur le Tanya Igeres Hatshuva. Après, c'est sorti dans un livre, Poshet le Kute Levi Yitzhak. C'est le Kute Sikhes sur le Kute Levi Yitzhak, c'est un livre comme ça rouge. Kapanim. Tout cela, a priori, parce que c'est Vav Tishrei, c'est même dans cette période. Bon, Chaim le Chaim. Thank you.
regarde justement, Rabbi imprimé Igare Satchuga, combien de biurim, d'Azbeinu, de Rabbi sur Igare Satchuga, où il explique le harus de son père, Rabbi parle de Sikh sur Igare Satchuga, il y en a énormément. Il y a un juif, le Blabel Shapiro, beaucoup ici connaissent de loin. Hein? Kopanim, lui c'était, bon, lui c'est aujourd'hui un Rosh Hashiva, Shiva Srabad à Miami. Mais lorsqu'il était un enfant déjà, plus tard, un Rabbi, c'est quelqu'un, comme on dit, il s'est levé auprès des pieds de Rabbi, comme on dit, hein, dans les écoles. Des fois. Copain de lui, il raconte beaucoup de choses, mais il raconte que c'était dans cette période où le Rabbi a commencé à expliquer le Igare Satchuga. Il y avait toute une période, le Sikhe sur Igare Satchuga. Le Rabbi a beaucoup parlé aussi sur le Satchuga de Rambam. Donc il dit, c'était pour Yutes Kisler. Ils sont partis, un groupe de Bachrim, ils sont partis à Boston. Comme certaines ici ont entendu parler de cette ville aux États-Unis. Donc, là-bas, il y a une communauté Chabad. À l'époque, il y avait là-bas Rabbi Yosef Deiv Soloveitchik, un Mokhuna JB, qui est en leader, c'est pour ça que Joseph Deiv Soloveitchik est rab. Copain, lui, c'était un grand Goyen de la famille Reinekova, fils de la Prime. Bon, c'était quelqu'un de spécial, quelqu'un de très proche d'Afke de Reb, on peut dire, parce qu'ils étaient déjà à Berlin en même période, plus tard ici à Paris. Il est resté toujours très proche. Bien sûr qu'il est venu après Vav Tishrei, il est venu, il y a toute une histoire, il est venu pour Nichma Velen. Nichma Velen, Shiva était très courte entre Vav Tishrei, Zain Tishrei et Kippur. Et on sait que chaque Rav qui est rentré, je vais revenir sur l'histoire de Lebo Shapir, mais c'est un de ce beurre, il est venu pour Nichama Veilum chez le Rabbe. Et presque chaque Rav qui est rentré, le Rabbe, on a choqué à se marquer, Rahman al-Islam, quelqu'un qui est un messel d'un ovel, arrive un kipper, donc il peut aller se tromper, mais juste avant la fête. Mais de se tromper pour le vidouille, après Minch, c'est pas simple. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il semble que dans le journal d'Antelab, c'est marqué quelque chose que non, c'est que le dernier. En compagnie, chaque fois que le Rabbi n'arrêtait pas de Rabbi Gwena Heter, il puisse aller déjà en micro avant. Je ne sais même pas ce qui s'est passé de Pernam, je n'ai jamais vu ça. Tiens, chaque fois qu'il est rentré, le Rabbi a commencé à parler avec Rabbi Sheberg sur le Dei de Rambam, parce que Pietur de Brisker, c'est le grand spécialiste de Rambam. Donc, il a commencé à discuter avec lui sur le dé de Rambam, le Shittas Rambam de Naninus, je ne sais pas si c'est un terme, mais de Rambam. Le Rambam a dit que le Shittas Rambam, mais je ne me rappelle plus, de Rambam, mais lui il a dit, le Bab et le Rebbe, mais il n'y a pas un tel Rambam. Il n'y a pas un Rambam comme ça. Et juste après, je ne sais pas si c'était près de Shiva ou juste après, le Maskirus, on lui a appelé, et lui il était très bispaïdos. Et le Rabbi a demandé qu'on lui transmet, qu'il ne pouvait pas le dire pendant le Shiva, mais si l'autre a dit que ce n'est pas un Rambam, c'est parce que ce n'est pas dans le Mishneh Torah, mais qu'il regarde dans le Pirush HaMishnayos, dans le Pirush HaMishnayos de Rambam, dans le Talmud, il va voir que c'est marqué comme ça. Lui, il était très misparle, pas de Bekis, de Gaines, de Rabbe, mais l'honnêteté, bon, Kitzer. C'était pendant le Shiva, justement, sur Rabbe Tzachana. Quand lui, il était à Boston. Et lui, Kidou, il était très proche. Déjà, il a grandi. Son père était un Rav dans une ville, il y avait beaucoup de Chassidim. Il y a même un chanson très connu chez Chassidim, von Haslovitch, King Lubavitch. Chaslovitch, c'était un ville, il y avait beaucoup de chassidim. Mais ils avaient un Rav, le père de Shatyashe Ben Soloveitchik, Rav Meshach, qui était le fils de Reb Chaim.
parenthèse, on dit pourquoi c'est arrivé dans beaucoup de villes, comme ça il y avait beaucoup de chassidim, qu'il y avait un rov à Mesnaget. Parce que déjà depuis l'époque de Mitzvot Rav, il me semble, le Tzemar Tzadek, il a dit que si entre les chassidim et Mesnaget, il y a un machlek, il vaut mieux que le sheikh soit un chassid. Donc lui, il était le rov là-bas. Et il a loué les services, on va dire, d'un Mohamed pour ses enfants. Mohamed, c'est un Mohamed pour ses enfants qui étaient un chassid. Et ce chassid-là, hein, apprenait souvent avec les enfants aussi de Tanya, chassid de Stokhlal. Il a beaucoup marqué. Pendant toute sa vie, chaque fois qu'il parlait, il a écrit un sefer sur son père qui s'appelle Inch'Allah. Là-bas, il écrit énormément sur ce chassid-là qui était son Mohamed. Il est resté toujours proche de Lubavitch. Et donc, c'était Politis qui se fait dans la ville de Boston. Je ne sais pas c'était quelle année exactement. Après Vaptiché, c'est sûr, c'était dans cette période que le Rav a commencé à expliquer Igal et Satchouva. Alors, ils sont arrivés là-bas, Politis qui se fait. Et lui, il était invité. C'était un Rav, Rachevelov, dans la ville. On a invité Politis qui se fait. Mais c'était quelqu'un aussi, pas ça, mais il disait quelques mots. C'était un Dachan. Comme on dit, elle était toujours très. Je peux lui dire qu'il a donné un drash, il me semble, presque 2 heures. Sur Chassidus, qu'est-ce que c'est Chassidus? Lui, le cheval. Et après, le Bochum, ils étaient tout un coup de Bochum qui sont venus. Il y avait des Boschepur, Schamper, Weinberg. Et ils ont commencé à discuter avec lui sur le Sefer de Rab, autour de Rambam et Chassidus. Lui, il était très mespoil, il a dit, bon, il avait beaucoup de bachem de Saïchim avec lui. Il a dit, bon, que le bachem connaisse le Rambam, c'est dans l'Ilchus de Zikim, le Saïd, l'Ilchus de Tchouva. Mais je peux dire, c'est parce que ça, c'est la chose que David est en train maintenant de discuter. Et lorsque ils sont revenus à New York, tout de suite, ils ont écrit un douch. Ils ont rencontré le Gachebel, ils ont parlé, il était très mespoil. Première chose que le Rebbe écrit, j'espère qu'ils n'ont pas seulement répété ce que j'ai dit moi, mais qu'ils ont dit aussi de Hegel, ils ont dit aussi des choses un peu d'eux-mêmes. Ma compagne, tout ça c'était parce que justement autour de. Le Rebbe a imprimé les Gale Satchouva, le Rebbe a beaucoup expliqué les Gale Satchouva. Rambams même dit avec l'Ine de Tchouva, mais le Rebbe regarde sur cette période l'Ine de Tchouva d'un juif un peu différent. Que Bechlal, que ceux qui ne sont pas dans le Daradam de Rav, ils regardent sur cette période, la ligne de Tchouva Bechlal. Bon, on va dire le Chaim.
Le rabbin, lui, le rabbin explique qu'il y a un tchouva. Tout ce que le rabbin dit, évidemment, c'est des choses qui sont marquées avant. Mais tant que le rabbin ne l'a pas expliqué, on n'a pas vu que c'est ça. Bon. Et que tchouva, d'être un juif, Rambam dit, c'est déjà un Rambam, c'est pas ici, c'est le Rambam de Mishnah Torah, c'est un Gemel Mahalocha. Rambam que le Tseine Hamiti, la vraie volonté d'un juif est toujours d'accomplir la volonté d'Hachem. Et même lorsque lui pense qu'il ne veut pas, Rambam dit, c'est pas ça sa vraie volonté. Il a une conscience, sa volonté c'est d'accomplir la volonté d'Hachem. Si Chazal Shalom il fait le contraire de volonté d'Hachem, c'est Yitzriyon, c'est un Rochtus, c'est un esprit de folie, c'est Yitzhar. Ok, ça aide. Mais qu'est-ce que c'est un juif? Un juif bête, mais il veut toujours accomplir la volonté d'Hachem. Il y a des tchouvé, comme on l'avait expliqué dans Tanya, c'est un chouvé, il est tort. Et il a, ça veut dire de revenir avec le même dveik que ce que le Mesham, le même. Le Shem arrive même avant sa descente. Ça veut dire de retourner vers sa source. C'est pas de créer quelque chose de nouveau, mais de retourner vers sa source. Se moque de Shem. C'est pour ça que tout le regard envers un juif, que le rabbi n'aimait pas du tout. Il a dit plusieurs fois, il n'aime pas ce terme qu'il est utilisé en dehors de notre milieu, par certains, qui le vrechek? Qui le vrechek, ça veut dire qu'il approche ceux qui sont loin. Rabbi dit qu'il n'y a pas un juif qui est rachek, il n'y a pas un juif qui est loin. C'est que de l'extérieur, et dans l'intérieur, dans la profondeur, vite serait. Je vais mettre une chaise ici. Kopanim. Dans l'intérieur, un juif est toujours proche. Alors, il faut le dévoiler. Il n'y a rien à créer. C'est déjà là. Il faut juste le dévoiler. Ça, c'est bête, la ligne de Tchouva. La ligne de Tchouva est de revenir vers la source de sa neshama. De dévoiler ce qui est vraiment le juif. Il y a un juif, un shliach, un chassid, le pshapta islabetitsky. Pas exactement, mais c'est toujours le même lien. Regarde l'âme. Là, il y a toujours peu de kochot dans chaque juif. C'est que. Il raconte, c'est une histoire qu'il raconte lui. Et après, on a dit pourquoi souvent il raconte les mêmes histoires. Mais, il a dit, c'est parce que ça, c'est avec quoi il vit. Hein? C'est ça qu'il vit. Il a amené un marshal. Lorsqu'on attrape une police, il attrape un ganef ou quelqu'un. Commence une interrogation. Qu'est-ce qu'on fait? Le premier jour, on lui demande des questions. On attend un jour, on lui dirait du monde les mêmes questions. Encore une fois, les mêmes questions. Mais lorsque c'est vrai, il va toujours raconter la même histoire. Oh, c'est Delza, pas de vrai. Merci. Jean. Accompagne-moi. Mais si c'est vrai, il va raconter chaque fois la même chose. Parce que c'est une histoire qu'il a fabriquée. L'histoire va commencer à changer au bout de quelques jours. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui vit avec quelque chose, il a cette maille qu'il raconte. Il a quelques histoires que chaque domaine il raconte. Quand il raconte qu'une fois il y avait un juif qui commençait à fréquenter, il me semble que c'était un Israélien, qui commençait à fréquenter le Bessrabat, qui commençait à venir à Mestat et dans le Shurim. Mais chaque fois il voyait jusqu'à un certain, il a invité pour Shabbos. Chaque fois il trouvait un autre tel pour ne pas venir chez lui Shabbos. Il a senti qu'un certain blocage. Il avance, mais Adkam, et pas plus. J'ai entendu l'histoire de lui peut-être trois fois. Une fois c'était au séminaire, il était là-bas. Bon, une fois qu'il était venu ici. On a été, mais il a raconté cette histoire. Jusque qu'un jour, il avait une conversation un peu, comment dire,
sérieuse avec lui, il a dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Il a senti qu'il y a quelque chose qui le bloque. Alors, il s'est un peu ouvert, il a raconté que d'un côté, oui, j'ai un sentiment de Baruch Hashem, j'aime bien, mais je vis un peu en contradiction. Avec qui il était en train de vivre avec un non-juif. Il a de mal à quitter, c'est pour ça qu'il a de mal à aller plus qu'un certain Adkan. Ok, Chapsi a commencé à lui parler des gravités des choses, après il est parti chez un rabbi ici, qui a expliqué les gravités des choses, comment dans le Gehenne, toutes les machines à laver et tout, tout le chiffre de le Gehenne. C'est la bonne, mais ils sont vraiment des spécialistes dans les différents niveaux de Gehenim, de Kafakel, de Gehenim Shoshah, de Kshereish, tout, ils connaissent tous. Mais celui n'a pas. Il est resté, il avait des mains. Jusque Kram Shapsi lui a dit, ok, on va aller chez l'arabe. C'était l'époque où on pouvait passer dimanche en un dollar à dire quelques mots. Alors, il raconte qu'il était avec lui pendant des heures en attente, ce qui se rappelle, et c'était la tension. Il ne parlait pas presque un mot. Hein. Il était comme ça. Juste, il dit, je l'ai dit, qu'essaie de formuler de manière, parce que sinon on va te tirer. Il n'y a pas de temps. Chacun commence à parler. Alors, il se répète les liens qu'il va dire. Il arrive devant le rabbin, il a dit... Exactement, il dit, je suis avec, j'ai des mal. Rabbi lui a regardé, le rabbi lui a dit, en hébreu, j'ai t'envie. Alors, il était un peu... Alors, le rabbi lui a dit, si tu as un tel nisayon, ça veut dire que tu as un charme, tu as des kochot très très élevés. Il est sorti de devant le rabbi, il a demandé est-ce que le premier téléphone, le public téléphone, c'est ce qui se rappelle, on a déjà un certain âge, et il a appelé là où il fallait appeler, il lui a dit c'est fini, c'est bon, on arrête là. Ça c'est, quand le rabbi regarde, il dit ne tu pas créer quelque chose de nouveau? Et le maïs, ok, ils sont là. Ça, c'est le Tzéné Amiti. Et lorsqu'on fait Tchouvé, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut que Racham le Bogad, non, il faut faire un Khaj Benadab, évidemment. Et tout cela, ça, c'est ce qu'on devait être, ce qu'on est dans la profondeur. Alors, il se lance. Il faut secouer un peu, il faut enlever de poussière, dévoiler ce qu'il y en a. Frère, parce qu'il s'agit de. Kippur avec l'explication. Sifrin, Atzme Shoyim, Itzum Shoyim, même le Chacham Sandakal, Rabbana Sandakal avec Rabbi, Alamaï, il faut Tchouva, parce que sinon on a pris Yom Kippur. Et l'union est que Yom Kippur, c'est le jour que l'Atzme d'un juif, il ressurgit, il sort. C'est comme ça que le Rabbi explique l'union de Tchouva. Bon. Hachrein, Matek, Chokeino, on voit toujours le Rabbi, le primus de chaque juif, mais le primus de chaque chose. Chose que dans le monde extérieur, un exemple, en plus lorsque ça arrive à cette période d'année, chaque enfant qui est de Cheder déjà il sait qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah, c'est le Binyan HaMalchus, c'est le Chalel HaKulut B'Chvedecha, c'est qu'HaKadosh Baruch Hu perd le Tainuk de Melucha, de descendre dans le Nivroim, Rosh Hashanah en train de parler de Kiyah Shefer, ben Rebbe Shefer en train de couronner. De réveiller chaque Kadosh Baruch Hu, c'est trotz en amlucha, qui ne connaît pas. Digne d'yema din, santeitso, parce qu'on vient demander à Kadosh Baruch Hu d'être melech, on a jugé, parce qu'il accepte d'être melech, ça veut dire qu'il y a un nouveau mshacha d'existence du monde, pour encore un an, tout est décidé ce jour-là. Digne d'yema din, santeitso, de ikrini de Rosh Hashanah. Dans le monde extérieur, moi je me. Bon, j'ai rêvé pendant. 19 ans, 20 ans, 19 ans exactement, un rabbin dans un synagogue. J'ai mangé de lui, de moi, le sang Haresos. C'était un yak. Pour ceux qui connaissent les yak, je n'ai rien contre les yakes. Même ma mère, mes grands-parents, ils étaient de Karlsruhe, donc
toujours un peu constipé, c'est un peu comme ça. Ça. Toujours le même, tous les matins, le même bonjour, Boker Tov. Jamais, il n'y a pas de bonne humeur, mauvaise humeur, toujours exactement la même chose. Ça, des gommes. Kopanim, oui, je me rappelle, c'était avant à Rosh Hashanah, dans son Rosh. Les gens de la chose sont loin de tout ça, mais il y avait une sorte de décalage entre lui et le. C'est pas grave. Et lui, il est à Mol, il demande un Shaïl. Je dis, ah, maintenant il demande un Shaïl. Pourquoi Rosh Hashanah parle tellement d'Ignan de Melch? Alors il a dit le nom d'un grand Godel d'Israël. Il a dit comme ça. Ça c'est le. Comment un grand Godel d'Israël chez eux, pour dire comment un enfant de Cheder. Hein? Kopanim, il a dit comme ça. Comme on dit, combien de refoua, Melech, quel Melech refinamant. Donc, l'Ignan de refoua vient l'Ignan du fait qu'il est Melech. C'est pour ça qu'on parle tellement de Melech, Rosh Hashanah, c'est pour l'Ignan de refoua. Hachem donne une bonne santé à chacun. Mais, eh bien, le père de Rabbi Elkan, bon, hein, un petit comité ce soir, c'est pas grave. C'était le Paul Kahn. Et tout le monde connaît, il y a même un temps que notre rabbin parle. C'était Purim. On avait parlé d'un certain sujet, une question de l'offre, quand est-ce que fait un rabbin se réveille, avant qu'on parle de Kilo après. Bon, le rabbin a commencé à raconter, il avait parlé de Yael Kahn. De Falakan, de père de Yelkan. Le Rebbe raconte, on sait qu'il y avait toute une histoire, quelques semaines avant, il me semble que c'était pour une Toshinim Gimel, je ne connais pas exactement la date que cette Godel d'Israël a décidé, mais c'était aussi Toshinim Gimel. Et lorsqu'il a décidé, le monde entier est formaté, tout en. Lui, il était à Kfar Chabad, la famille de Falakan, le père de Yelkan. Et il y avait un enfant là-bas, par Chabad. Il a dit, cet enfant, il a dit comme ça, maintenant, cette Godel d'Israël qui monte dans Gan Eden. Donc, maintenant, il commence à voir les choses que cet enfant de 5 ans, 6 ans, il connaît déjà, après la montagne. Alors là, ça fait le rabbin dit, que le poste américain, comme ça l'avait dit, ou en Israël, je ne sais pas, a commencé à. Ils ont. Hein? Ils sont devenus riches, tellement qu'il y avait de lettres, à Itor, de dire une telle chose. Il y en a que chez nous, on a des choses en Eitzer. Chez nous, on a essayé de dire que c'est la Shoshan, il y en a. Il y a une Kippur, la même chose. Tchouva, parfois, vient de Tchouva. Encore une fois, c'est lié avec Rav Tishré, le rabbin crimé de Gersa Tchouva. C'est la période de la salle de Sémé Tchouva. Le rabbin regarde sur Tchouva, c'est tout à fait une autre Tchouva que. Yeah. Chaim le Chaim. Il faut faire Tchouva, mais il faut faire. On va savoir qu'est-ce que c'est Tchouva. Comme le rabbin dit. Chaim le Chaim. Maxime le Chaim. Thank you.
Lorsqu'il était aux États-Unis pour la première fois, avant qu'il s'est installé, il y a 10 ans plus tôt, il était là-bas pour une visite. C'était quand même pendant presque un an. L'année 1930, il est venu juste après le. C'est qu'il était à Hebron, l'été de Tafresh Petas, 1929, juste après que la fille des Kerabé est partie, il y avait la fameuse, malheureusement, le pogrom à Hebron. La fille des Kerabé l'a pris de ce pogrom lorsqu'il était sur le bateau. Je me rappelle une fois de l'avoir raconté l'histoire que la fille des Kerabé a crié qu'il avait un malaise comme ça, hein, sur le bateau en entendant ce qui se passait à Hebron. Il a passé par le télégramme. Et il ne se sentait pas bien. Il a dit, grâce à un médecin, qui a dit Flum, Dr. Wollach, grâce à ce désastre. C'est un bon jeu de mots. Hein. Accompagne-moi. Il dit, grâce à Dr. Wollach, Et il a aidé, il s'est senti beaucoup mieux. Et après, je me rappelle que là-bas, j'ai raconté l'histoire à Fabringen. Ce docteur, qui était un monsieur Flum, il a demandé au fils de Kerab, le fils de Kerab soit mochel. Le fils de Kerab a dit, vous m'avez. Pourquoi vous demandez mes chilas? Alors il a dit, fille de Kerab, puisque le, il a dit comme ça, puisque le rabbe c'est quelqu'un que rabbin s'ichem lui, beaucoup de juifs ont besoin de lui, c'est sûr que si le docteur n'avait pas été là, il serait jamais tombé malade. Donc si la fille de Kerab est tombée malade, c'est parce qu'il était là pour l'aider. C'est pour ça qu'il demande de chiller. Là, il va raconter cette histoire en Fabring. Quand on parle de fille de Kerab, il était d'abord à Hebron, à Tzisol, à Hebron. Après, il est parti, il est venu, fin de Chedeshav. Chedeshav, il est arrivé aux États-Unis, 1929. Il était là-bas, pour Tishrei Tafresh Tzadik. Maintenant, il est fameux, Maimol, Naïm Arasaylon. C'est le Maimon qui parle pas de choses simples, que Rosh Hashanah c'est Madin. Chaque juif il vient, il dit mon bonne chaya mezen, parnas, barchav, bachulo, bonne santé. Il a parlé beaucoup de choses que le fils de Kerab dans le Maimon de Rosh Hashanah de Rachwar, lorsqu'on regarde, je ne veux pas que Top Shengimol, l'autre Hemsheikh, chose très. Le fils de Kerab s'est exprimé, il a dit une fois, le professeur Jacobson qui était là, il a dit, reden darf me reden, c'est comme ça qu'on doit parler, mais trachten darf me, mais il faut penser sur l'union de Binyan Amalas. Shodarab, il n'y avait pas de. Même pas, c'est pas qu'il n'y avait pas de style. Celui qui était zéché d'être, d'être à côté de Rabbe. D'être dans la présence de la pendant qui est chef, je se rappelle. C'était un moment où on sentait qu'il y a des choses qui se passent. C'était
Mais en même temps, le rabbin rentrait avec des sacs de panim que le juif demande des choses de base, des choses simples. En même temps, le rabbin a mis son tardes comme ça sur le sac de panim. Donc, en même temps que le tki chef et son sac de panim, il s'en va, il s'en tout les yannem, il y a un lèche dans les yannem le plus élevé. En même temps, un juif qui a besoin de quelque chose. Santé ou un panos, le chodo nachos de ses enfants. Il n'y a pas. On le fait dit que l'Abbadi, il faut parler comme ça, penser comme ça. Pour le problème d'un juif, le tsar d'un juif, le besoin d'un juif, ce n'est pas de se dire avec l'Ignan. Mais tout ce que c'est justement lié avec Rav Tishrei, sur le tfilo de Chana, pourquoi le Davke le Shoshon a commencé à demander des choses simples, des choses de panos, de. On se pense-t-il d'après des bétartènes, des carbones, tout ça parle de OK, c'est ça. C'est quelque chose que pour le rabbin, le besoin derrière le gashmi d'un juif, ça lie avec l'ignan de Binyan Amalchos. T'as vu ça, il y a. Ah, mais c'est tout le monde ici connaît, ou presque tout le monde ici connaît l'histoire. Il y avait. C'était un enfant, il me semble, d'un ambassadeur. Israël aux États-Unis, qui est tombé malade, très malade, qui a beaucoup souffert, quelque chose dans la tête. Et il est venu passer Yom Kippur chez le Rebbe. Il me semble qu'il était hébergé par le secrétaire de Rebbe, Rabbi Yom Klein. Et l'enfant, il est rentré après la soccer, à la fin. Et pour ceux qui se rappellent, la fin de Yom Kippur, c'était un moment très. Alors, il y avait la vie de Mankin, après il y avait le Napoleon's March, tout le monde. Et à ce moment, le rabbin a demandé que tous les enfants, je ne sais pas quelle année c'était dans le Mahamitz, le rabbin a demandé que tous les enfants montent sur le bim. Le rabbin attendait que cet enfant y vienne. Attendez qu'on amène l'enfant juste à côté de lui. Cet enfant qui a grandi, après il raconte, il se rappelle que pendant la vie de Markeno, il entendait le rabbin avec le visage couvert avec le tardes. Moi, je l'entendais comme le rabbin pleure. Et après, c'est une qui peut mettre à mort de manière miraculeuse. Tout est parti. Il n'y avait plus aucune trace. La vie de Markeno, la fin de l'île de Yom Kippur, c'est le moment où on est en train de se battre avec je ne sais pas quel titre, quel. Pas de style, ça c'est le rêve. Alors, vous me venez en parlant de Moustiuk, de Sholob, qui ne se rappelle pas justement la fin de Yom Kippur, pendant Napoleon's March. Je rappelle que la fin de jeûne, c'est marqué pour Yom Kippur, la Veda, on dit le Kain Gadol, on ne pouvait pas être partout avec le Kain Gadol. Il y avait ceux qui étaient avec lui lorsqu'il lisait la Torah, il y a ceux qui étaient avec lui lorsqu'il lisait la Torah, les différentes parties de la Torah. Après, il a mis dans son poche, il a dit, il y a ce Rachikolisikan, il ne pouvait pas être lorsqu'il avait la Zaza, on ne pouvait pas être partout en même temps. Je l'avais réveillé, maf de rien. Ceux qui voulaient entendre de Maftelien de Rebbe, ceux qui voulaient voir le Pauline's March, je ne pouvais pas toujours être partout. Quand le Pauline's March, c'était un moment où on pochette, si on peut dire de Rebbe, c'était un moment où Rebbe était toujours très ému. Un moment de Netzach, on vient de gagner. C'est un match de Netzach, Rebbe, même temps que c'était un match de Netzach, mais. On pouvait voir pas chez l'Abbé pleurer. Bon, l'chaim. Yeah.
Rosh Hashanah, après la guerre des six jours, de Rosh Hashanah Tovshin Chav Chas, de Rabba Di Amaim, El Vahay Bahim Ahu, et tant que Beshev Chavo. Là-bas, elle explique que Béhamis dans le Shefer de chaque année de Rosh Hashanah, c'est le même Inyan qui est tant que le Shefer Godel. Elle explique avec le Maïm de Marash, Mina Meitzer, que Rosh Yudke, Anani de Merchel Yudke, c'est un psuk qu'on dit, c'est avant de Kir Shefer. Lorsque Simeon de Meitzer, à ce moment, après ce même chenille de Merchel, comme on va dans le Shefer, le Pif, le Kotzer, après d'autres côtés de Merchel. L'Arabe explique là-bas, il y a deux unionnimes de Meitzer. Meitzer de Pashto, ça veut dire un juif qui a fauté, c'est marqué Bohéb de Meretz Asher, un Nidach de Meretz Mitzrayim, un juif qui a Nidach, qui a un Ovid, entièrement perdu. Ça, c'est un Meitzer. Qui a même l'inné des talks de Shefer God, même si c'est mes hats, mais c'est pas ma kékiété, par le sentiment de Meitzer, de Gargouim. Après, ça c'est le chidush de Rav dans cette Maimer, c'est qu'il y a un Meitzer, même un juif qui a son abbé de Bishleimus. Mais lorsqu'il se sent de l'éphant de Shogbito, il sait que même si son abbé est un abbé, bon, pour ceux qui ont cette. Comment dire, cette épreuve qui pense qu'ils sont peut-être dans le deuxième Meitzer. On pense souvent, quand on parle d'un Nidach en Beretz Asher, Ibn Beretz Asher, Nidach en Beretz Mitzrayim, Ibn Beretz Asher, on parle de tel ou tel juif, on a besoin d'un certain. Je ne sais pas si c'est. Comprendre, chaque on a le premier Meitzer, le deuxième Meitzer. En notre deuil, on est à un niveau de Meitzer. On est loin. Pas comme il faut. Comme nous avons dit, le rabbin regarde toujours d'après de cette meitzer vient de Merchel. D'après de cette meitzer, ou par le meitzer, parce qu'on est Nidach en Beretz Mitzrayim, et en Beretz Asher, ou par le meitzer, par l'inyan de Bittel. Le rabbin regarde toujours sur le maïla de chaque chose. C'est que Meish Rabbein était un honneur de Kola de Meish Rabbein. Et Adam, le Medrash dit, lorsqu'il est regardé sur le deuil de Ikbus et de Meshich, ça c'est le Kola de Meish Rabbein. Adam, il est regardé sur le deuil d'Ikbus et de Meshich, il a dit devant eux, ah, je suis tout petit. Aïe le Chayre, on sait qu'il y a eu des Sadeurs, alors que le deuil d'Ikbus et de Meshich, c'est notre génération. Dernière d'une génération de Golos, ça c'est un pire vieux, on est le plus bas. Alors le Rabbi explique d'Afke, parce qu'il y a un chèche à Kofon, on a un peu de neige, Aster, Aster, Panay. C'est pour ça qu'il faut en avoir de Messire Snapesh, de Kabbalah de Messire Snapesh. Et Meish Rabbein, il a vu le Messire Snapesh qu'il faut pour être un bon juif, pour être un chassid. Dans cette période, donc, il a dit devant ce juif-là, je suis rien du tout. Ça, c'est le Meitzer qui amène le Merchel. Et que le Rebbe a parlé, c'était le Shabbat, justement, de Vav Tishrei Mamish, qu'on a raconté tout à l'heure. C'était Pashas Veyedach Shabbat Shuvim. Le Rebbe a parlé, c'est rien de Posse qui est marqué dans Pashas Veyedach, mais n'est-ce qu'il haster, haster, panebim, ahou. Rabbi, le mot de Baal Shem Tov, que Haster, Haster, un double Haster, ça veut dire Samim Cheshech L'Eil. Quelque chose de Cheshech, on pense que c'est Eil. Et ça, c'est le pire. Parce que Meil, tant que c'est Cheshech, on sait que c'est Cheshech. Donc, c'est déjà, il dit Samachle, c'est déjà Hatzir Refoua. Et lorsqu'on pense que c'est quelque chose de bien, on ne sait même pas que c'est Cheshech. Ça, c'est le pire de pire. On dit Haster, Haster. Même dans l'invanèche, haster, haster, c'est notre bon chanteur. Rabbi vient, il dit, qui est doua, que l'antarabe, il a dit que chaque chose qui est marquée avec un chocolat, le pnimis en brach, on connaît tous l'histoire avec le mythe de Rabbi. Il était encore jeune, et c'était toujours son père qui était le balcaire, l'antarabe qui était le balcaire.
Une fois l'antérabe s'absentuer, comme c'était encore à Vios, Nabon l'a dit, et le mythe de Rabbi Yochanan, le banquier qui a lu le Pashas qui savait avec le Teichacha, tout le monde connaît l'histoire. Le mythe de Rabbi, en entendant tout le Teichacha, le Clawless, il s'évanouit. Après, on lui a demandé, mais le Chere, c'est pas la première fois que j'entends ça. Il a dit, à la tante Lane, lorsque son père, il lit, on n'entend pas, on entend de brachas. Il semble qu'il y a un autre guise qui ne sait pas, lorsque tel tante, c'est dans le terrain, lorsque c'est un tante Lane, un père, on entend de brachas. Kopanim, le Rebbe dit donc il faut dire même Vanechi Haster Haster Panay, même si c'est a priori le pire de Claudus Reis, que même Sanum Cheshach Leer, c'est même pas qu'on est malade, on pense que Dafke ça, c'est quelque chose de bien. Ça aussi, il faut expliquer le temps qu'un brach. Tout un tifeinien là-bas dans le Sikha, c'était même, je dis, pendant les derniers instants que Rebbe Tzachan était là. Le Rebbe savait que. Certainement. Comment il y a un coup de la bas que le Rabbi dit, c'est un premier Mechelek Tess, le coup de Sikhes, le premier Sikhes de Pashas Vayelech. Le Rabbi dit que sur le passé qu'a mis Shein de l'IBA, le Rabbi explique dans le coup de Tess, le explique, c'est pas dans le coup de Tess, c'est dans le marmorne d'un Sefer qui de Bene Yerushalayim. C'est que le mythe de Rabbi l'envoie de Chassidim en Atzisrael, il les a donné des envoyés de Xavim. Et dans le Chassidim en Atzisrael de l'époque, ils avaient certains marmorum que même le Chassidim en Russie n'avait pas. Et donc, il y a quelqu'un qui a imprimé un sefer qui s'appelle Ben Yerushalayim. Dans cette sefer, il y avait des marmorum d'Alter Rabbi, de mythe de Rabbi aussi, il me semble. Et au là-bas, l'Alter Rebbe explique dans un même qui est dans cette sefer Ben Yerushalayim, un ni yeshéne vli be'er, un ni yeshéne, ça, l'Alter Rebbe dit, ça c'est le malokolande, ça c'est le gilouyen d'un juif. Le li be'er, ça c'est le sefer kolande, ça c'est le etzen d'un juif qui est toujours er. L'Alter Rebbe dit à moi là-bas que lorsque un juif il pense que lui, il est entièrement détaché, c'est un shaker. Ça l'Alter Rebbe dit, c'est un shaker. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Le Rebbe dit, mon, le Chayre, pourquoi dit ça chèque? Ils sont rien. Mais le Rebbe aussi, ils sont rien. Donc, quand même, on appelle pas ça un chèque. Le Rebbe explique le mal au clan, c'est l'une des normales au clan, c'est que lui, le Kéli, le Mekabel, il ressent les choses. S'il ne ressent pas, ça veut dire au niveau de normal au clan, c'est vrai. C'est le clan, c'est le Helen, à Kadish Baruch, il est partout, parce que lui, il est partout. Pas parce que nous, on le ressent, mais lui, il est partout. Et donc, ça, c'est la vérité. Copain, le coup de. Un juif est toujours attaché. Même si lui, il sent qu'il n'est pas attaché, c'est un chèque. C'est un chèque. Le Rebbe vient et dit à un juif, toi, tu penses que tu es coupé dans la chambre, tu t'es détaché, sache que la vérité est que toi, tu es attaché. Et si tu penses le contraire, c'est pas un chèque. Copain, ça, c'est une des choses que le Rebbe a expliqué. Donc, pendant cette fabrique de Vav Tishré, aujourd'hui, Stalkers, le Rebbe Tzachana, c'est la guerre de la période Aseret Metshuvim, Kippur. On parlait tout à l'heure de Dmus de Yukne Shalomim. C'est ce que Rashi dit, que Yosef HaTzadik, même dans le moment, il était un moment d'épreuve, mais ce qui se rappelait de Dmus, de Yukne, de Aviv, de Yankev Rabino. Nous aussi, en tant que Sidim, on doit bien sûr avoir toujours l'image de Dmus, de Yukne, Shalom, de Rabbe auprès de nous. On sait combien dans cette période, plus que dans toutes les autres périodes de l'année, les périodes de Rosh Hashanah, Yom Kippur, c'était Bekasabonim, c'était tout. Il faut avoir cette Dmus Diukne Shalaviv. Comme ça, on reste toujours attaché. On sait que même si on y est chaîne, l'IBL, on va conclure avec ça. Mais son axe va continuer. Mais... Non? Quand on a une marque, c'est ma
Justement, Fred était le Chame. C'était Erev Yom Kippur Tavshinun Beis. On sait qu'il me semble qu'ici, mais ils n'ont même pas entendu jusqu'à vous. Je m'imagine. C'était déjà un Kippur ici. Le Rebbe a parlé, c'était cette sikhe de Brocha après Mincha, comme si c'était déjà son pasteur. Certains ont dit le Chaim dans le sud de Sarapsa, qu'est-ce qu'on lui fallait. Ils sont venus après. Bon, c'était ouais, juste l'histoire avec le Chassid de Rabbi Marash qui est venu au cours d'idée. C'était déjà son pasteur, Yom Kippur 77, il y a beaucoup qui étaient le Chaim et Veloué. Le Rebbe a terminé avec le Nigel de la Coffre, c'est Yom Kippur. Aïe, 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 aïe